Bon, j'espère que c'est la bonne. On y croit. Allez, pièce 601, la suite. Voilà. Là, je peux jouer. Oh oh. Putain. La première fois que je vois autant de décors dans le... Autant de cadres. Ah, bagaga baga. Les bandes de cons. Autant de... Merde, qu'on s'appelle de cadres... Dans un corridor, en fait. Voilà, là, je progresse, là. Oh, mon Dieu. Je vois des petits bouchons. Couloir numéro 605. Enfin, c'est vrai qu'il faut réagir en pièces. Alors, en théorie, je le rappelle, je suis censé atteindre la 1000ème pièce. Et normalement, j'ai fini, je sors du manoir. Je sais pas ce qui va m'arriver dans la 1000ème pièce. Je veux même pas le savoir, d'ailleurs. Je suis à peine à plus de la moitié du jeu, hein, quand même. C'est bizarre. Il me génère de ces couloirs. Oh, j'aime pas ce son. C'est le chant de la muerte. Tiens, pourquoi c'est plus lumineux ici et pas ailleurs? Non, c'est pas le moment de... Comment on fait pour sprinter? Ah merde, je sais pas sprinter! Ah si, on sprint comme ça. Putain. Non mais j'ai cru que je pouvais pas sprinter. Donc là, c'est la mort, hein. C'est même pas la peine. Hein. Dans le jeu là, si tu sprintes pas, t'es... Oh merde, des os. Oh mon Dieu! J'avance à la lampe torche! Non, il n'y a pas d'info. Ah, une porte! Ah. Yeah. Yeah. Ah oui, je me souviens, il fallait rallumer la lumière, il y a des conduits normalement. Oh, le boucan de merde. Il y a des conduits de... d'aération. C'est un peu une ambiance à la Resident Evil. J'aime bien. Non merde, il y a des pièges, je peux pas passer. C'est quoi ça? Tac, 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 tac. Quoi, des gens sans main? What? Ça veut dire qu'ils sont de main à gauche, là, qu'ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Moment j'avais fait face à l'homme parasite, une grosse saloperie. Oula, oh mon Dieu, non. Alors je me glisse dans le conduit d'aération, un grand classique de l'horreur. Aïe, putain, j'aime pas les mauvais angles dans le jeu là, c'est chiant. Combien de fois je me raccroche au décor et je me trouve immobilisé, le meilleur moyen de se faire bouffer par un ennemi. Spooky scary skeleton. Scary spooky skeleton. Ah bah voilà. Ah, ah. Oh non, mon Dieu. Mais je peux pas le patater. Ah non, je peux pas le patater. Ah, il est chiant. Ah bah j'ai même pas le temps d'atteindre la porte, il m'a bouffé l'enfoiré. Non, c'est pas mourir sur le coup, il m'a eu en plusieurs fois, mais j'essaie de me défendre avec la hache à la main pour lui patater la gueule. Et ça fait rien en fait, j'ai l'impression qu'il est immortel. C'est horrible. Attends, de ce que tu vois, tu te dis que la chose est, j'allais dire, moléculaire.
C'est une entité vivante, normalement, bien physique, quoi. Donc j'aurais pouvoir quand même la vaincre. Mais rien à faire. C'est reparti pour un tour. Non, à mon avis, ce que je suis condamné à faire, c'est me barrer le plus vite possible, en fait. Faut que je débloque, que je dévoile la situation, que je faut que je me barre le plus rapidement possible. Et vu le dédale là qui est en train de se dessiner sous mes yeux, bah, j'ai intérêt à mémoriser par où je passe, quoi. Parce que sinon, je l'ai dans le cul. Alors, faut pas que j'oublie ma touche de sprint. Que je suis bien content d'avoir retrouvé. Oui, d'ailleurs, faut que j'arrête de courir quand c'est pas nécessaire. J'aime pas ce bruit. Oh mon dieu, oh mon dieu! Il y a des portraits sur les murs, c'est pas beau. C'est pas beau. Oh! Ah ouais, j'aime bien l'ambiance là, la Prince of Persia. Sauf que là, c'était bizarre. Il y avait une variante que j'avais encore jamais connue. Oh là là. Minable. Alors là, pour le coup, il m'a pas du tout fait peur. Maintenant, il n'y a rien à lire. Oh le con. Il laisse des papiers, mais les papiers sont vierges. Wouah, c'est quoi cette configuration de mort? Alors, ça y est, je retourne dans le fameux labo de la mort, là. Le labo de la muerte. Je sais, ça y est, je sais déjà plus par où je vais passer. C'est déjà plus par où je dois passer. J'ai laissé déjà plus. Y aller dans le cou. Parcours là je le connais, hein. À force de le faire. Là pour le coup il n'y a même pas d'aléatoire. Voilà. C'est dans la 617e pièce que je rencontre la bête. Ah ah, je vais échapper à la bête. Ah non, j'y échappe pas. À mon avis, elle doit me lancer des boulettes de je sais pas quoi. Ah, oh, c'est chiant. Ah, oh, je sais pas, mais... Elle arrive à me grignoter la vie, hein, la cochonnerie. Hein. Putain, le con. Ah, oh, c'est chiant. Allez, cours. Ah, oui. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est un ver qui court. D'accord. Je me suis retourné et j'ai vu le truc qui me courait après. En fait, les vers vont super vite. Sauf que là, j'ai pas vu le ver m'arriver dessus. J'ai pas compris. Ah. Putain, c'est stressant d'avoir une saloperie comme ça. Allez, barrez-vous de là, je suis poursuivi par un truc parasitaire là.
Bah oui, mais j'arrive pas à... Ah, mais comment elle fait? Ah! Elle m'a bouffé beaucoup de vie, c'est pas bien. Allez, cours. Putain, mais comment elle fait pour me bouffer autant de vie, quoi? C'est affolant. Wouah, je sens que ça va devenir injouable à la fin. Mais cours! Oh non, je suis mort. Non, mais c'est impossible. Mon esprit qui sombre dans un dédale infini. Oh la vache! Comment je peux lui échapper? Faut quand même pas se retourner et puis à la hache patater les vers qui t'arrivent dessus. Je les ai pas tous vus m'arriver dessus, c'est quand même dingue. Oh, je sens que la dernière partie, je m'en chie, mais alors quelque chose de violent. Non, non, j'ai pété tout. J'ai pété tout à l'âge. Le con, il m'a foutu les jetons. J'ai eu un petit holker. Oh merde. C'est d'un chiant. Ah oui, ça y est. Alors, c'est par où? C'est par là. J'avais une chance sur deux. Je me suis planté. Et là non plus j'ai pas le droit. Ah si, je m'en viens. Que je me pose, c'est est-ce que j'ai le droit de revenir sur la... Je pense pas. Oh, il y a les salles. Ah oui, c'est marrant ça. Les salles d'arcade, le monstre peut pas me poursuivre. Avec un peu de chance, le monstre ne peut pas me poursuivre là. Ce serait génial, grâce aux salles d'arcade. Oh, ce serait top. Là, pour le coup, j'aurais du bol. En fait, ce serait la génération aléatoire de la succession des pièces qui m'aurait sauvé. Incroyable mais vrai.
Oh! Oh la vache! La tête de crâneur! Tiens d'ailleurs, je sais pas si tu m'entends, cousin. J'ai renoncé à aller voir au Cinoche le Terminator. Hein, parce que les critiques sont tellement négatives. Et quand j'ai vu qu'il y avait quasiment plus de séances, il n'y avait plus qu'une séance sur Nancy ce soir à 22h. Ah mais je te l'avais dit ça. Et sinon en après-midi, comme j'aurais aimé, ça aurait été à Ludre. Donc je vais pas me faire chier. Surtout que les critiques sont terribles quoi. C'est le Terminator qui aurait jamais dû sortir. Ouais mais les critiques il faut pas les regarder. Parce que c'est des gens, voilà, toi, ça se trouve, tu vas adorer. Donc, enfin, je veux dire, enfin, moi, je vois au niveau critique, par exemple, tout ce qui était Star Wars et compagnie, il y en a plein qui disaient, ouais, c'est de la merde, c'est pas pareil, machin. Bah, finalement, il était bien. Donc, tu vois, ouais. Après, c'est. Moi, je sais que j'ai un garde-toi, ça. Enfin, moi, je le verrai en DVD, je me contenterai de ça. Je le verrai plus tard. De toute façon, mon enthousiasme a été complètement douché. Tiens, j'entends une musique bizarre dans le jeu. Non, pas de cet ordre-là. Non, on dirait presque une musique de fond de piano bar avec un peu de basse. Et le reste, ça doit être du synthé. Je dirais pas que c'est comme de la harpe électrique, mais presque. Oh, je suis content d'avoir un jeu de pièces qui a cassé la poursuite du monstre parasitaire là. Parce que franchement, il est chiant. Comment qu'il m'a buté la première fois? Oh putain, j'ai eu peur à cause d'un toast qui est sorti du mur. Un toast grillé. Ah, base de données. Regardons, le Kaddos. Alors, accès au spécimen, base de données. Next. Ah bah y'a rien de nouveau, c'est pas drôle. Oui bah y'a rien de nouveau donc... Ah. Alors attends, gauche. Non, droite. Alors droite, non, droite, 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 non, droite, putain, droite, gauche, non. Thank you.
Scary spooky skeleton. Quoi? Tais-toi. Pourquoi j'ai une interférence? Oh non, pas l'autre connasse avec les cheveux médusa là. Oh, elle est chiante elle. Je suis surpris de pas avoir eu les grandes pièces noires. Tiens, en parlant de Wawa. Oh merde. Elle est chiante. Oh non! Oh non! J'ai passé la pièce du démon. J'ai passé la 666e. Sergent Combre. What did you find? Voilà. Elle m'a abandonné, c'est tant mieux. Ils sont tous murs par ici. Je vais même pas lire la base. Je vais snobber la base de données parce que j'en ai rien à battre. Le mec qui vient avec son MacBook Air et dit oh parfait, l'écran il est mort. Je comprends pas, l'écran il est noir. Regarde, j'ai peut-être décidé de la luminosité, par exemple. J'appuie sur le bouton de la luminosité. Ah mais je suis con, non c'est pas possible. Non mais c'est pas bon, c'est pas bon de dire hein. Non, ou alors il a peut-être été victime d'un membre de sa famille qui a voulu lui faire une petite blague. Ça arrive, ça aussi. Non, mais je pense qu'il a pas regardé. C'est gaffe, il a vu. Comme c'est le bouton qui est à côté de la touche échappe. Ah oui. Mais ça prête à confusion dans le geste, effectivement. Bon, après le monstre parasitaire, tu sauras que j'ai fui Médusa, là, celle qui fait des. Ah bah non, tu la connais pas, que je suis con. Je la découvre dans la deuxième partie que t'as pas vue. Faut pas que je te dévoile l'intrigue. Les misères qui m'arrivent dans le manoir. Dans la première partie, c'était sur les computers.
Et puis, ouais. Je les ai vus, la liste des données. Ouais, la base de données, ouais. Là, théoriquement, le prochain que j'aurais croisé, c'est celui que j'appelle Belzébuth, là, l'espèce d'homme à tête de taureau, là. Ah oui. Et je suis pas pressé de le rencontrer. Nya. Il va y avoir une ambiance lancée la vachette à Interville, je te dis pas le merdier. Putain, les... Petit à petit, il y a des pièces, des couloirs qui se rajoutent, c'est... C'est vicieux, tu finis par être obligé de tout mémoriser. Oh! Oh, il y a un bruit horrible que j'entends. Ne me dis pas que c'est Belzébuth qui vient de se réveiller. Bouge ton bol. Dépêche-toi. Ah! Mais con! Il m'a foutu les jetons, ce Pokémon! Ne dis pas qu'il y a une saloperie qui me course. Bouge ton... Ah! La crème glacée, j'en ai rien à battre. Ah! Ah, c'est la. Ah non, c'est la tarée japonaise! Enfin, je dis ça. L'écolière, là! Oh, mais. Ah, mais elle me fait mal! Elle va me tuer, cette conne! Bon, allez, je te laisse. Je sais pas si on verra demain, plutôt. Ouais. Là, je vais moins 10. Je vais y aller, comme ça, je m'en ferai pas trop tard. Ouais, ouais. Bon bah peut-être ah oui demain. Ouais, peut-être demain on verra. Bah bonne continuation à toi, sinon au pire on se verra jeudi. Ok. Et allez, j'ai... Ciao, bisous. Ciao, bisous. 706ème PSG sauvegardé. Ouais, j'avance. User disconnected from your channel. Je dis oui. Chop till you drop. Ah oui, c'est vrai que je peux me défendre. Putain, j'y pense jamais. Bon, j'espère que ma vie va vite remonter. J'en suis... Oh! C'est déco complètement space. The space we are, the space we world. J'aime bien les variantes. Les variantes du décor. Ça fait quand même 3 monstres différents pour... Ouais, 100 pièces d'affilée. Ouais. Oh la vache. Oh, le beau chandelier. Ah non. C'est beau. Oh. Hein? What? Mais je suis où, là? Quoi? Je suis dans un métro. Vous êtes sérieux? C'est quoi ce délire? Ah, on est chez Spanghero. Va y avoir des lasagnes de cheval 100% pur bœuf, je le sens. Ah oui, la grande usine agroalimentaire, oui, il y avait le monstre qui était dedans, et ben c'est l'homme taureau là, c'est Belzébuth. À vrai dire, instinctivement je cherche même plus à traduire. Cassé. Ah non. Toilette des dames, c'est pas cassé. Ah, il y a une clé. Eh
bain. Ah bah dis donc, merci. Ah oui, verrouillé, mais moi j'ai le... Ah merde, je suis entré dans le... Hein? C'est normal, c'est bugué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je dois faire quelque chose, j'ai rien compris. Je suis censé faire quoi? Game posed. Bah oui. Bah. Je suis censé faire quoi? C'est pas logique. Je suis peut-être allé trop vite, j'ai fait bugger le truc. Mais sérieux, sans déconner, je fais quoi? C'est bloqué, putain! J'appuie sur toutes les touches! Ok. Attends. Ça me bouffe quand même. Putain, mais vous êtes sérieux? Je suis capable.